Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose l'ouverture d'un cadenas Master numéro 170. Donc ce cadenas, en fait, je l'ai depuis très longtemps, hein, mais j'arrive toujours pas à le maîtriser rapidement, dirons-nous. Niveau crochetage, il est très chiant. Donc je commence par la première, qui normalement doit être une normale, hein, qui me mène à un petit décalage du rotor. Voilà, et ben, les autres, a priori, je dirais que ce sont des bobines. Hein. Le problème, c'est que elles sont très difficiles à passer. Enfin, très difficiles. J'ai du mal à les passer, quoi. Voilà. Donc déjà, le rotor ne revient pas bien. Il faut jouer avec le ressort pour revenir. Et souvent, on a des remontées de goupilles entre chaque placement. Voilà. Donc, 6 goupilles hein, pour le 170. Le problème, c'est que comme vous avez des remontées de goupilles, alors je sais pas, peut-être que pour une fois, Master a fait des puits de goupilles alignés correctement. Parce que depuis le temps, je devrais pouvoir l'ouvrir plus facilement, mais non. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas très franc et que je perds mes décalages. Donc un petit raclage pour essayer de replacer ça. C'est le seul truc que j'ai trouvé hein, pour avancer avec ce cadenas, c'est de faire du raclage entre chaque placement pour remettre un peu tout ça en place. Voilà. Alors quand on voit Zayek qui ouvre ce modèle-là aussi vite que les autres, hein, que le 150 ou le 160, je sais pas, là je me dis que ça vient peut-être de moi. Hein. Voilà, petit raclage encore, hein, on retrouve le faux cran. Donc là je dois avoir la sixième, je pense, à passer. Alors j'essaye de revenir tout doucement pour la placer, mais vous voyez, le placement est pas franc et j'ai vu des remontées. Il n'y a pas seulement la première qui doit être normale qui remonte, et les autres aussi remontent. Donc, vraiment très chiant. Voilà, donc c'est le seul système que j'ai trouvé hein, pour l'ouvrir à peu près régulièrement, c'est de faire du raclage comme ça pour quand tout est presque en place pour. Pour tenter l'ouverture. Bon, c'est pas très joli. Hein. Mais bon, ça l'ouvre. Des fois. Voilà. Bon, puis comme il m'a énervé celui-là, je vais faire une petite ouverture rapide. Hein. Comme chez le coiffeur. On peigne. Ça sert à rien, mais ça détend. Voilà.